Cinquième membre de la famille Megan, Megan Cabriolet est directement issu de Megan Coupé. L'entreprise Carman en assure principalement la transformation. Megan Cabriolet reprend les bases mécaniques de Mégane Coupé, tels les ensembles moteur-boîte de vitesse, les liaisons au sol, le système de freinage. De même, les systèmes électriques sont issus de la gamme Mégane. Particularité, le train arrière est à quatre barres, même sur les versions à litre 6. La partie avant de la structure, ainsi que le soubassement, sont issus de méganes coupée. Si l'empattement est identique, Mégane cabriolet présente cependant une partie arrière spécifique avec un porte-à-faux rallongé de 10 cm. Pour remédier à l'absence de pavillon, la structure de caisse est renforcée. Ainsi, la tôle des pieds avant fait 1 mm5 d'épaisseur. Chaque pied avant est doté d'un renfort de doublure et d'un tube rigidifiant dont la partie supérieure a pour rôle de renforcer le montant de pare-brise. L'encadrement extérieur de ce dernier est de type monopièce. Les rives ou fermetures de bas de caisse sont doublées par un raidisseur. Le bas de caisse lui-même se prolonge sous le panneau d'aile pour former renfort et voit son épaisseur passer à 2 mm. La liaison pied-milieu plancher est rigidifiée par un renfort spécifique. La séparation coffre-habitacle est réalisée par un double tablier, essentiel pour la résistance à la torsion de la caisse. Ces renforts, en complément de ceux déjà connus sur Mégane, concourent à une meilleure protection contre les chocs. Megan Cabriolet passe avec succès les essais de choc type Danner, AMS ou anti-retournement américain et bénéficie de nombreux éléments de sécurité de la gamme Megan pour une meilleure protection de ses passagers. Megan Cabriolet propose deux systèmes de commande de capote un système manuel et un système électrohydraulique. Abordons dans un premier temps la version manuelle du système, l'armature de la capote. Elle se compose de deux arceaux latéraux tripartis et de cinq arceaux transversaux. Tous ces éléments sont en aluminium et sont reliés à un mécanisme assisté par des vérins et assurent la cinématique de pliage et de dépliage de la capote. La tension de l'armature en position dépliée est assurée par des barres d'arc-boutement en acier. Deux sangles longitudinales assurent le bon positionnement des arceaux intermédiaires durant les manœuvres de pliage et de dépliage. L'ensemble de l'armature est relié au véhicule par deux paliers principaux. Le mécanisme de verrouillage est constitué d'une platine fixée sur le premier arceau. Les doigts de verrouillage sont commandés par une poignée quart de tour. De par la conception du système, la capote, une fois pliée, disparaît sous un couvre-capote. Cet élément en matériau composite de type SMC concourt à la pureté de la ligne du véhicule et à une meilleure protection de la capote contre toute agression extérieure. Le déverrouillage de la serrure de couvre-capote se fait électriquement. Cette fonction est gérée par un boîtier électronique situé dans le coffre. Capote pliée. Contact Mi, frein à main serré, une impulsion sur le bouton de commande donnera l'ordre au boîtier électronique de déverrouiller la serrure de couvre-capote. Capote dépliée, contact Mi, frein à main serré, c'est en fin de basculement du dernier arceau qu'un contacteur intégré à celui-ci informera le boîtier électronique pour le déverrouillage de la serrure. Quant au verrouillage du couvre-capote, il s'effectue manuellement. En cas de non-verrouillage de la serrure et de desserrage du frein à main, le boîtier électronique commande un bruiteur d'alerte. Pour finir, signalons la présence de crochets de sécurité empêchant la pénétration du couvre-capote dans l'habitacle en cas de choc arrière important. La capote elle-même est constituée de trois épaisseurs. La garniture extérieure est en toile tissu d'appellation Sonnenland ou en PVC selon la version. Elle est fixée en partie avant de l'armature, sur le premier arceau, par un profil maintenu avec une clé de serrage. Et en partie arrière, sur le quatrième arceau, par dérivé inox. Et sur le dernier arceau, par un profil clipsé. La fixation sur les arceaux latéraux est assurée par un profil clipsé en partie avant et par un profil vissé en partie arrière. Des sangles riftées améliorent la tension de la toile en position dépliée. Dernier élément de la toile extérieure, la lunette arrière. Fixée par un système à fermeture à glissière, elle est facilement remplaçable. Un dispositif de soufflage d'air chaud assure son dégivrage ou désembuage. Il est commandé par la touche de dégivrage. Deuxième épaisseur de la capote, la toile intermédiaire. Cette matelasure est watinée de façon à procurer une meilleure isolation thermique et acoustique. Elle est fixée en partie avant de l'armature, sur le premier arceau, par un profil maintenu avec une clé de serrage. Et en partie arrière, sur le quatrième arceau, par un profil coulissant dans une gorge. Troisième épaisseur de la capote, la garniture intérieure. Elle est en toile plastifiée et de couleur gris clair. Elle est principalement fixée sur les quatre premiers arceaux par différents profils. Son maintien latéral et arrière s'effectue par diverses fixations et sangles. L'étanchéité de la capote est assurée en partie arrière par un joint situé sous le dernier arceau, en partie latérale par les joints profilés des arceaux tripartis et en partie avant par le joint d'encadrement de pare-brise. Le mode opératoire de pliage et de dépliage de la capote est imprimé au dos des pare-soleils. Contact Mi, frein à main serré, déverrouillez la capote et la soulevez jusqu'au point neutre. Seule cette position permet la manœuvre du cinquième arceau. En fin de basculement, le contacteur déclenche l'ouverture du couvre-capote. Après avoir rabattu le dernier arceau, plier la capote dans son logement et refermer le couvre-capote. Contact Mi, frein à main serré, Appuyez sur le bouton impulsionnel de commande pour déverrouiller le couvre-capote. Déplier la capote jusqu'au point neutre pour soulever le dernier arceau. Et rabattre le couvre-capote. Abaisser l'arrière de la capote. Verrouiller la partie avant de l'intérieur de la voiture à l'aide de la poignée quart de tour. Quelques remarques. L'ensemble des manœuvres ne peut et ne doit se faire que véhicule à l'arrêt. La position des vitres n'influe pas sur le bon déroulement de la manœuvre. Respectez impérativement la chronologie des opérations afin de ne pas fausser le mécanisme. La position, dite point neutre, est atteinte lorsque la capote est soulevée d'environ 35 cm en partie avant. En cas de dysfonctionnement électrique du système d'ouverture de couvre-capote, une sangle de secours accessible par le coffre permet une ouverture manuelle. En aucun cas, il ne faut utiliser un nettoyeur haute pression pour le lavage de la capote. De même, le lavage au rouleau du véhicule est fortement déconseillé. Nettoyez la toile extérieure uniquement à l'eau savonneuse ou aux produits homologués. En cas de besoin, utilisez une brosse souple et dans le sens du tissu pour les capotes textiles. Ne pliez la capote qu'une fois celle-ci complètement sèche. Abordons maintenant la capote à commande électrohydraulique. L'ensemble armature toile et son système de verrouillage déverrouillage sont absolument identiques à la version à commande manuelle. Principale différence, la mise en action des mécanismes de l'ensemble s'effectue par un système électro-hydraulique. Premier élément, le bloc hydraulique situé dans le coffre. Par l'intermédiaire de canalisation, il alimente le vérin de couvre-capote. Les deux vérins principaux de mécanisme d'armature, les deux vérins de dernier arceau. Second élément du système, le boîtier électronique situé près du bloc hydraulique. En fonction de différentes informations, telles le frein à main, le contact, le positionnement des vérins, le contacteur de console, il commande le bloc hydraulique et la serrure électromotorisée de couvre-capote. De plus, il gère un bruiteur de mode opératoire et de défaut. Et intègre une fonction diagnostique XR25 que nous n'aborderons pas dans ce module. Contact Mi, frein à main serré, déverrouiller la capote et la soulever jusqu'au point neutre. Le bruiteur émet un bip de confirmation. Appuyez ensuite de manière continue sur le bouton inverseur de commande. Le boîtier électronique commande alors, par le bloc hydraulique, les vérins de dernier arceau, puis la serrure du couvre-capote et son vérin. À nouveau les vérins de dernier arceau. Les vérins principaux de mécanisme d'armature. Et pour finir, le vérin du couvre-capote et sa serrure. Le dépliage de la capote s'effectue en ordre inverse. Quelques remarques. Le bruiteur émettra 3 bips si les conditions initiales ne sont pas remplies. Un dysfonctionnement du système sera signalé par 6 bips. Dans ce cas, il est possible de manœuvrer manuellement la capote. Après coupure du contact, déverrouiller la serrure de couvre-capote par la sangle de secours. Ouvrir le robinet du bloc hydraulique pour faire chuter la pression, puis déplier manuellement la capote tout en maintenant le couvre-capote. Finir l'opération en verrouillant la capote. Attention Avant toute intervention sur le système, il est impératif de s'assurer du bon réarmement de la serrure. Comme pour la version manuelle, les manœuvres de capote nécessitent un minimum de prudence, en particulier au niveau des mécanismes de la serrure de couvre-capote ou de la liaison capote-carrosserie. Megan Cabriolet propose un équipement inédit, un élément de carrosserie amovible ou roadbox. Ce module la transforme rapidement en Megan Cabriolet 2 places ou Roadster. Il est à considérer comme un ouvrant supplémentaire et verrouillable par les télécommandes. Le Roadbox se présente en kit à commander en deux références. Une référence unique pour l'ensemble armature, fixations et tapis, accompagnée d'une notice d'assemblage. Une référence spécifique par couleur de véhicule ou en version préapprêtée pour la coiffe de module et les volets latéraux. Cette coiffe est en matériau composite polyuréthane moulé et sa réparation s'effectue suivant les données du manuel de réparation 502. Le positionnement de l'ensemble dans le véhicule nécessite une attention particulière quant au jeu entre le module et le couvre-capote. Tel que mentionné dans le manuel de réparation, ce réglage d'une valeur de 5 mm s'effectue à l'aide des contre-écrous de fixation. La mise en place du rod box est décrite dans la cassette de mise en main du véhicule. Les conditions de pigeage de Megan Cabriolet sont les mêmes que pour les autres versions de la gamme Megan. De même, les éléments de marbre sont issus de la collection de la gamme Megan. Comme pour Megan coupé, la mise au banc nécessite l'utilisation des cales CD12. Le train arrière étant de type 4 bar, la cale 715-7024, spécifique au train 2 bar, ne doit pas être utilisé pour la mise au banc mécanique en place. La restructuration de la coque nécessite un positionnement des éléments dans les trois dimensions, suivant des côtes mentionnées dans le manuel de réparation. Comme sur l'ensemble de la gamme MegaN, le panneau de porte est remplaçable seul. Le pied avant est livré en après-vente assemblé avec le tube de renfort le bas de caisse et le pied milieu, l'ensemble formant le côté de caisse. Il est remplaçable seul par coupe partielle au niveau du bas de caisse en fonction des valeurs mentionnées dans le manuel de réparation. Le renfort tubulaire étant solidaire du pied avant, le remplacement de celui-ci nécessite une découpe de l'encadrement de pare-brise afin de dégrafer le tube du montant. L'encadrement de pare-brise est livré indépendamment des doublures de montant et de traverse supérieure de B. Le pied milieu est disponible seul ou assemblé aux côtés de caisses complet. En cas de remplacement avec la partie arrière de bas de caisse, respectez impérativement la zone de coupe décrite dans le manuel de réparation. Pour des raisons de sécurité, aucune coupe ne doit être pratiquée dans une doublure ou dans un renfort. La particularité de la partie arrière de Megan Cabriolet vient de l'allongement de son porte-à-faux de 10 cm. Cela est réalisé grâce à une allonge supérieure de plancher arrière, une allonge inférieure et de deux allonges de longerons. Bien que liées au plancher arrière, ces pièces sont remplaçables indépendamment de celui-ci. Comme le couvre-capote, la porte de coffre arrière est en matériau composite de type SMC. Leur réparation est possible en suivant la méthode décrite dans le manuel de réparation 502. La dépose-repose ou le remplacement des vitres latérales ou de leur mécanisme ne présente pas de particularité importante. Cependant, ces opérations imposent un réglage minutieux de la position de ces éléments entre eux et dans les trois dimensions. Ce réglage est primordial pour obtenir une étanchéité parfaite à l'air et à l'eau. Le principe du réglage consiste à positionner successivement chaque élément l'un par rapport à l'autre. Après s'être assuré du bon réglage de la porte et l'avoir fermé au premier cran, la première opération consiste à positionner correctement le montant de vitre fixe. Soit à 30 mm de l'angle de montant de baie et à 6 mm du bord de joint d'encadrement de pare-brise. La seconde opération correspond au réglage de la vitre fixe, soit par affleurement avec le joint de montant de vitre et avec un dépassement de 1 mm avec le joint de rétroviseur. Prochaine étape le réglage de la vitre mobile. L'ensemble des fixations étant simplement approchées, montez la vitre en affleurement avec le joint du montant. Puis, réglez la vitre par action sur la butée du segment denté de lève-vitre. Capote dépliée et verrouillée, positionnez la vitre à 55 mm du bord du lécheur et à 10 mm du bord de l'armature. Finir l'opération suivant la chronologie décrite dans le manuel de réparation. Dernière étape, le réglage de la vitre de custode. La première phase consiste à régler longitudinalement et verticalement la vitre. Pour cela, capote pliée et vitre relevée, positionnez le rail du joint de vitre de custode à 20 mm de la vitre de porte. Puis, Faire filer la ligne vitre de custode vitre de porte. La seconde phase a pour objectif de parfaire l'étanchéité en assurant le contact du joint de vitre de custode avec la vitre de porte. Enfin, effectuer un pré-contrôle d'étanchéité. Pour mémoire, respectez impérativement un couple de 8 Nm pour le serrage des fixations. Toute intervention sur le système hydraulique nécessite quelques précautions. Ainsi, la dépose et la repose des éléments requièrent une grande propreté et du soin dans les manipulations. Les joints toriques doivent être huilés avant la repose. En cas d'intervention sur le bloc hydraulique, bien repérer la couleur et l'emplacement des connecteurs. De même, et tel que mentionné dans le manuel de réparation, respecter le repérage des flexibles par rapport au bloc hydraulique et au vérin. Respecter impérativement la qualité d'huile donnée dans le manuel de réparation. La purge du système est automatique et se fait en actionnant plusieurs fois la capote. Contrôler le niveau, capote pliée et couvre-capote fermée. La méthode de dépose de la capote complète est similaire pour les deux versions. Nous en présenterons ici uniquement les points importants. Le premier est lié à la dépose des traverses de liaison sur la version électrohydraulique. Une fois celle-ci déposée, il y a risque de fausser le réglage de base de la capote en actionnant le système électrohydraulique. Aussi, il sera impératif d'actionner manuellement la capote pour la suite des opérations. Deuxième point important, sur les versions manuelles, la dépose des vérins d'armature doit s'effectuer sans que ceux-ci soient en contrainte, donc capote en position neutre. Troisième point important, la dépose des paliers principaux. L'accès à la troisième vis de fixation ne peut se faire qu'après pliage complet de la capote. Attention, ne pas toucher aux vis de fixation de contreplaques de paliers principaux. Points principaux de la repose. En cas de remplacement de l'armature, il n'existe qu'une seule référence pour les deux versions. Il convient donc de régler la position angulaire du contacteur de dernier arceau en fonction de la version de système de commande. Le serrage au couple à 2 décagnewton-mètres des vis de palier principaux s'effectue capote dépliée et verrouillée. Serrez les vis de traverse de liaison à 2 décanewton mètre. La purge du système électrohydraulique se fait automatiquement en actionnant plusieurs fois la capote. Les paliers principaux sont fixés sur la coque grâce à des contreplaques de rigidification. Le bon positionnement de celle-ci est primordial pour le déroulement correct de la cinématique de la capote. Leur réglage est à effectuer en cas de remplacement de la coque, de remplacement d'une doublure d'aile ou de desserrage accidentel des vis de fixation. Le principe du réglage consiste à l'aide d'un levier, d'une cale de fabrication locale et d'un niveau à bulle, à faire pivoter le palier principal jusqu'à ce qu'il soit au même niveau d'inclinaison que le bas de caisse. Le couple de serrage des vis est de 2 décagnotes de mètre. Toujours vérifier ensuite le bon fonctionnement des mécanismes. Encore plus que sur un autre véhicule, le contrôle d'étanchéité d'un cabriolet demande une attention particulière. Respectez impérativement pour cela les consignes décrites dans le chapitre étanchéité du manuel de réparation 502. Le principe général de dépose de la garniture extérieure consiste à déclipser ou dévisser les différents profils de maintien que nous avons vus en première partie. Seuls les points importants seront traités dans ce chapitre. Premier point, bien caler le couvre-capote en version électrohydraulique. La dépose de la vis de fixation de la poignée de verrouillage s'effectue à l'aide d'une clé mâle si pans. La dépose du joint central d'étanchéité n'est pas utile. Ne pas oublier de déposer les sangles et les câbles de tension latérale. De manière générale, la dépose des garnitures est une opération simple, mais nécessitant une grande minutie. Point important de la repose, l'ajustage joint de baie de pare-brise, joint d'arceau latéral avant. Un jeu longitudinal de 1 mm est à obtenir par glissement du joint d'arceau latéral. En cas de décalage latéral, agir aussi par glissement sur le joint de baie de pare-brise. La dépose de la matelasure nécessite la dépose des sangles de tension. Ne pas oublier de retirer la vis de maintien avant de dégager la garniture par le côté. La repose ne présente pas de particularité. La dépose de la garniture intérieure s'effectue en suivant pas à pas la chronologie décrite dans le manuel de réparation. De même que pour les autres garnitures, les opérations de dépose et repose nécessitent un soin particulier dans la chronologie et les gestes. Comme nous l'avons vu, le remplacement de la lunette arrière est facilité de par son montage par fermeture à glissière. La méthode préconisée est celle utilisée sur les Renault 19 dernière génération. Pour finir cette partie maintenance carrosserie, nous vous rappelons que chaque constituant principal de la capote se change indépendamment des autres.